Hachamayo, Hachamayo, my terrible topo. Hachamayo, Hachamayo, my terrible topo. You my terrible to his obamae. Bama sarke be pom pom. Bama satiru dung e chan charan chan. Bamba la boite et chef d'enton. Non, non, ne te fais pas de soucis pour celle-là, je la gère. Si aujourd'hui elle ne me donne pas ce que je lui demande, je lui ferai vivre l'enfer dans cette maison. Chérie, je viens d'abord te donner les 15 000 que j'ai. Au plus tard, mercredi, tu auras le reste. Non, tu n'as pas à me remercier. Tu sais que c'est toi qui me fais me sentir bien. Ok, je suis en train de sortir. On se prend à notre petit coin dans 20 minutes. J'ai tellement envie de toi. À tout à l'heure, mon bébé. Bisous. Qu'est-ce que tu me vends encore, Pat? J'ai eu ma dose d'étranglement pour aujourd'hui, s'il te plaît. Justement, c'est de ça que je voudrais qu'on cause. Je tiens vraiment à te demander des excuses. Je n'ai pas dit de revenir sans le numéro de Naomi. Et comme tu veux, Naomi, je dois automatiquement être avec sa copine, même si je ne ressens rien pour elle. Non, si tu arrêtes, je t'ai jugé sans réfléchir. Je te demande de m'excuser. Ah, je ne t'en veux pas. Tu as su le faire de l'amour. Mais laisse-moi te donner un conseil d'ami. Il faut contrôler tes actions. Lorsque tu ressens des choses pour une fille. Et surtout, lorsque ce n'est pas encore réciproque. Tu comptes pleurer comme ça toute la journée? Yawan. Oui, le croco. Stupide et têtu, Naomi. Croco, que poids gamandé, ouais. Tellement il était vrai quand il disait qu'il ne veut pas y vouloir une relation sérieuse avec moi hier. Et ce matin, il m'a dit qu'il ne vend pas l'amour comme si j'étais dans un marché. Tu es plutôt naïf, ma chérie. Rencontrer un homme le matin, à midi, il te dit qu'il veut une relation sérieuse. Le soir, il couche avec toi. Mets-toi à la place de cet homme et dis-moi s'il peut te prendre au sérieux. Les hommes face aux femmes racontent n'importe quel genre de mensonge juste pour coucher avec elles. Pourquoi suis-je ainsi? Si seulement tu pensais ce que tu dis. Mange les fruits, ça va t'aider. Bon, dis-moi, tu es vraiment déterminé à avoir cette fille, Naomi? Oui, je l'aime vraiment. C'est quelque chose que je n'ai pas encore ressenti chez une autre. Ok, je vais t'aider. Je vais arranger les choses avec ta copine. Tu sais, elle est plutôt facile. Et de temps en temps, on va se servir d'elle pour voir Naomi. Non. Tu as pris ta décision que je trouve très loyale. Tu aurais pu l'exploiter sachant que tu ne veux rien avec elle et la laisser tomber plus tard. Laissons sa copine en dehors de tout ça. Mon ami, en politique, il faut avoir plusieurs options. La stratégie comptera plus que tout pendant une campagne électorale. La façon dont un candidat s'adresse à ses interlocuteurs est primordiale. L'homme politique a ceci de particulier, qui sait trouver les mots et les phrases pour que le peuple l'écoute. Et à partir de là, il les oblige à le suivre. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'ils sont sur une pente glissante,
Il est trop tard et impossible de faire marche arrière. Anto, je n'ai rien compris à ce que tu viens de dire. Justement parce que tu refuses d'ouvrir ton cerveau. Amène Naomi dans ton univers et elle chantera ton nom comme quand un représentant politique arrive dans un village. Toi encore à la politique. Ça fait vraiment du bien de prendre des fruits. Ouais, on dirait que ça sèche les larmes et redonne le sourire. Merci beaucoup, Naomi. Je ne sais ce que serait devenu sans toi. C'est à ça que servent les amis. Tu es une femme forte, Julia. Malgré tout ce qui t'arrive, tu réussis toujours à garder ton humour. Merci. Dis, l'autre gars, vous avez avancé? Quel gars? Quand je suis arrivée au salon, tu causais le collègue de... Yeah, Julia. Même dans les pleurs, tu remarques tout ce qui se passe autour de toi. Je te rappelle que j'étais triste. Et nous avions un cerveau embrouillé quand même. Dis-moi, c'était comment? Bonsoir, maman. Je crois que j'ai été assez clair avec toi. Si tu ne peux pas m'apporter de l'argent dans cette maison, tu la libères. Celle qui doit quitter cette maison, c'est bien toi, maman. Ici, c'est chez mon père. Si tu veux rentrer chez le tien, il y a même quoi? Attends. C'est sur moi que tu lèves le ton? Oui, je le ferai toujours tant que tu ne me respectes pas, ainsi que mes invités. Gifle-moi, maman. Gifle-moi. Je jure que j'oublierai que tu es ma mère. Naomi! Quoi? Laisse-la me frapper. Tu veux me montrer que tu es assez grande et que tu peux me défier, n'est-ce pas? Tu iras faire ça chez ton mari et pas chez le mien. Ça, c'est même quel genre de mère? Bien qu'étant en santé, elle refuse de travailler et attend tout de sa fille. Tu veux que je me prostitue pour te faire plaisir? La course de l'enfant, c'est le matin. Agite-toi comme tu le fais là. Mais tant que tu ne m'apportes pas ce que je te demande, tu quitteras cette maison. J'ai pitié de toi, maman. Oui, j'ai pitié de toi. Si seulement tu prenais cet argent pour t'entretenir. Mais non, tu le fais pour entretenir un petit gars qui n'a presque pas mon âge. Tu devrais avoir honte de toi. Iawan. Oui, le croco. Croco que poaga mandemwem. With your famous by Marong Denga Wabuyo. Croco que poaga mandemwem. Oh, my Iawan. Ezra mandemwem. Oh, I may. Oh, now I'm better than my name. Mumar la rep can dim. My Yawan. Calabama lana mumar la rep can dim. My oh, I may. Undaka, undaka. Undaka, undaka, we. Oh, now I'm bad, mama. Bezibamowo
Kalebama lana mumar la hep kendem.